Messieurs, bienvenue dans la meilleure émission, toute catégorie, le Fafa, l'émission qui vous donne l'actualité, Buzz People, sur tout ce qui se passe sur la toile. L'invité, c'est quelqu'un de taille, quelqu'un qui a fait les beaux jours du cinéma, de la comédie, du théâtre en Côte d'Ivoire. Depuis belle lurette, elle est inscrite dans les annales de la culture ivoirienne. Dames et messieurs, recevez la légendaire, celle-là même qui fait rigoler toute la nation, Bazé Thérèse. Bazé Thérèse, donc Anaconda, bon, là, on voit des cheveux blancs. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blancs, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le clan des gnaïnes, des vieilles femmes qui sortaient des gamins, et elle a donné un peu d'argent pour te rajeunir? C'est le manque de respect qui vient comme ça, ou bien... Non, en fait, non, je demande, hein, le style... Cheveux blancs, avec raies, et puis je vous trouve rajeuni, tu vois, un peu vivotage. En général, ces gens, des femmes, elles sortaient des petits garçons. C'est des femmes qui ont ce style-là, en fait. Qui ont les cheveux blancs? Les femmes qui ont les cheveux blancs, ça va pas sur vous. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Ah, maman, moi, Bazé. J'ai demandé quelque moi, chose. Moi, Bazé. Non, j'ai demandé. Vous n'aimez pas les enfants? Tu connais le nom de ça, là? Moi, je fais pas ça, hein. Il parle de Niaï, ok. Mais est-ce que tu es un homme dans ta vie? Je ne dirais pas ça ici. Mais si, tu peux nous en parler quand même. Non, non, non. Est-ce qu'on fait un secret à vous? Mais tu peux... c'est pas un secret. Ou bien c'est non, un secret non, de police. Non, c'est mon secret. Ah, c'est ton secret, tu n'en parles pas? Ouais, c'est mon moi. Je ne peux pas l'exposer pour. Non, juste savoir si j'avais un oui ou non, c'est tout. Il y en a. Voilà, il y a un homme dans ta vie. Il y en a. Avec qui tu partages ta vie, oui. Les bons moments, les mauvais moments et tout. Qu'est-ce qu'on partage avec un homme? Tout ce qu'il y a. Alors. Ah, ok. Il ne faut pas me demander. Ah. Mais votre nouveau look là, votre homme, il aime ça? Il adore, c'est lui qui m'a demandé de faire. Teinture. Avec les reins là. Ah, il a précisé même de mettre les reins. Il l'a aimé. Ça. Il l'a aimé. C'est Bazé Thérèse ou Gay Thérèse? Eh bien, je suis née Gay Thérèse. Mm-hmm. Et c'est Delta qui a voulu que je sois Bazé Thérèse dans ma famille. D'accord. Donc c'est un jeu de rôle, Bazé Thérèse. Oui, c'est le nom de mon village en fait. Ah, d'accord, c'est le nom de votre village. Ouais, vous êtes de quelle région? Je suis de Bangolo. Bangolo, ouais. D'accord. Donc, Gay Thérèse, à quel âge aujourd'hui? Je ne dis pas, je n'ai jamais dit ça aux gens. Vous avez honte? Je n'ai pas honte, j'aime mon âge, mais je ne dis pas. Mais j'adore quand on m'appelle la vieille, on m'appelle maman. Non, mais sur le plateau, il n'y a pas quelqu'un qui vous drague, donc vous pouvez donner l'âge. Mais vous ne pouvez même pas me draguer. Vous deux là, vous ne pouvez pas me draguer. D'accord. Nous deux coulés. Vous deux coulés, vos verres, vos cheveux. Mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec Delta? Delta, j'ai pas de problème avec elle. Hein. Tout se passe bien normalement. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. On travaille, c'est tout. D'accord. Et la collaboration se passe super bien. Vous n'avez pas à vous plaindre et tout ça? Je ne me plains pas. D'accord. Je vais me plaindre de quoi? Tu viens travailler. Je travaille, je m'en vais. Et tu fais bien le travail. En faisant bien le travail, dis-moi, l'état de Côte d'Ivoire t'a valorisé vu la joie, la bonne humeur que tu as donné à la Côte d'Ivoire? Ah, je ne sais pas si j'ai apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Si oui. Si oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Mais bien sûr. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Même pas une décoration? J'ai jamais eu de décoration en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais eu de valorisation venant de l'état de Côte d'Ivoire? Non. Vu tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Vraiment, je n'ai rien reçu. Pour la culture? Pour la culture, je n'ai rien reçu. Wow. Et je ne m'en plains pas aussi parce que quand tu te plains trop, les yeux sont sur toi. Que c'est un métier que j'ai choisi. Qu'on me valorise, on ne me valorise pas. Gueye, continue son chemin. Mais c'est pas normal, on doit au moins célébrer tous ces gens comme vous qui bâtissez la culture, qui vous battez pour la culture vivant, c'est important. Ah, mais moi, j'ai te dis quoi? Mais quand tu parles des yeux qui sont sur toi, ça sous-entend quoi? Quand tu parles trop, les yeux sont sur toi, ça sous-entend non, quoi? Non, quand tu parles, on dit toujours c'est elle qui se plaint, elle veut ci, elle veut ça. Je ne veux ci, je ne veux ça. Je suis dans mon coin tranquille. D'ailleurs, moi-même, j'apprends. Donc, apprenti, fais pas trop de bruit. D'accord. Mais qu'est-ce que vous attendez du ministère de la Culture, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous?
qu'il valorise l'art en Côte d'Ivoire, c'est tout. Mmh. Qu'il valorise l'art en Côte d'Ivoire. Ouais. Moi, j'ai aimé quelque chose en l'art en Côte d'Ivoire. Mmh. Je ne faisais pas encore du théâtre. Mmh. Le président, créateur, le président de la République, mmh. Félix Houphouët-Boigny, mmh. en son temps, le père de la nation, le père de la nation, donnait des salaires à comment ça va. Ouais. Aujourd'hui, si on a eu une fille du nom de ma femme qui est partie dans le monde entier, mmh. je pense que l'État doit penser à ces personnes. Je ne veux pas revenir sur quelque chose pendant la guerre. Ma famille a participé à la vie ivoirienne. Mmh. On a participé. Je pense que l'État devait faire quelque chose pour nous. Ouais, ouais. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Mmh. Je ne vais pas continuer. Je m'arrête simplement là. Quoi. Mmh. Voilà. Ok. On peut parler d'autre chose. Mais vu tout ce que tu as fait, tu as même marqué l'Afrique. Tu as même marqué l'Afrique. Et même l'Europe. Tu es satisfait de ta situation financière aujourd'hui? Non, je ne suis pas satisfait de ma situation financière. Mm-hmm. Eh bien, je vis au jour le jour, mais je prends ça comme ça. Waouh! Je prends ouais. ça comme ça. Je ne me plains pas. Mm-hmm. Je ne me plains pas, ça dit que ça me fait mal, mais je ne dis rien. Bon, parce que je suis beaucoup croyante aussi, je dis, mm-hmm. bon, peut-être que. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Puis je pense ça comme ça. Vous êtes croyante, vous pratiquez le christianisme, croyante. Je suis chrétienne catholique. Catholique, ok. J'ai plus beaucoup maman Marie. D'accord. Voilà. Mais c'est en quelle année tu intègres ma famille? Ma famille, c'est en 2002. 2002, oui. D'accord. En fait, tu as démarré en même temps que le départ. Tu as démarré au oui, départ directement. Le temps m'a croisé un jour. D'accord. Dans un cours d'un pays. Et puis elle m'a dit, je suis en train d'essayer quelque chose. Si ça marche, tu vas travailler avec moi. D'accord. Ce jour-là, comme eux, ont fait comment ça va là. Quand ils nous voyaient, nous les copéros là, de temps en temps, ils te glissent un billet. Ce jour-là, elle m'a donné un billet de 2500. Je n'oublierai jamais. Okay. Un billet de 2500. Voilà. Il y a eu une époque où Biruda vous donnait 300 000 francs. Les anciens, ou les plus anciens, non, 300 000 là. Non, je n'ai pas reçu 300 000 francs. Jamais, 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 jamais. Parmi ton long parcours, un moment donné, tu vendais Gaba. Je vendais mon Gaba à Mio. J'ai habité à Mio. Mm-hmm. J'ai fait 10 ans à Mio. Je vendais mon Gaba à Mio. Mm-hmm. J'apprenais en même temps la couture aussi. J'ai fait 2 ans de couture et puis bon. Mm-hmm. Aujourd'hui, je regarde pourquoi j'ai arrêté la couture. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis parti comme ça. Mais comment ceux qui t'appréciaient, tes fans par exemple, je dirais, ils te voyaient en train de vendre du Gaba, comment est-ce qu'ils appréhendaient ça? Non, mais quand je vendais du Gaba, je n'étais rien. Ah ouais. Mais c'est parce que j'avais fait que j'en vendais du Gaba. Ah, tu faisais pas déjà du théâtre? Non. Ah ok, non. D'accord. C'était avant. C'est avant, j'ai vendu tout. Il y a ma coutille. En fait, tu t'es essayé? J'ai essayé tout. Mmh. En tout cas, je me cherchais. Tu t'es cherché? Tu t'es cherché. D'accord, jusqu'à ce que tu commences le théâtre en 1980. J'aimais aller dans un grand coin comme ça. Un grand terrain vide. J'aimais arrondir. Si tu veux bien, si tu veux chanter, il faut aller crier dans le terrain. Donc je voulais chanter à cause de Rosebud. Mmh. Donc je partais cliquer là. J'ai un ami qui m'a regardé et dit, toi, tu connais la musique, toi. J'ai dit, va au théâtre. Quand on va te connaître, tu pourras te produire. Et c'est lui qui m'a emmené au Belkadisou, il s'appelle Bosmes. Okay. D'accord. Donc de 87 à aujourd'hui, on peut considérer que tu as combien d'années de carrière? C'est vous qui. Je suis matériel. Les acteurs de 87, uh-huh. 2021, il faut compter. D'accord. 97. Les acteurs de ma famille. J'ai dit 87 que j'ai commencé. 87 que tu as commencé, d'accord. 87, 96, c'est Dimanche Passion. Dimanche Passion, oui, si. Je me souviens Dimanche Les Passion, acteurs de ma famille qui se sont révoltés il y a pas mal d'années, qui demandaient 20 millions, 20 millions à Delta. Tu étais parmi eux? Non. Donc tout ce qui est polémique dans ma famille, là, tu n'es pas concerné. Je suis concerné, mais... Les 20 millions au Congo, là, t'as tué. Le problème, c'est que comment, quand on partait au Congo, mm-hmm. j'ai signé mon contrat, arrivé là-bas, quand j'ai fini, mm-hmm. on m'a donné mon argent. D'accord. Et je suis rentré chez moi. Cet argent, c'était combien? Je ne dirais pas, c'est mon salaire. Parce que certaines se sont plaintes. Il faut dire ton salaire ici, dis pour toi, puis je dis pour moi.
Défendre notre salaire à soi quand même. Voilà. Nous, on a 1,5 million par mois ici. Ah, voilà, d'accord. Les jeunes, ils payent combien au salaire? Combien de non, moi, je demande pourquoi. Parce que vos collègues, d'autres acteurs, actrices de ma famille, se sont plaints que Delta les a donné des miettes, dont ils réclamaient 20 millions, 20 millions. Toi, tu étais en complicité déjà avec Delta, concernant cette histoire du Congo, là? Je n'ai jamais été en complicité avec Delta. Mm-hmm. Delta me connaît. Mm-hmm. Je la connais. Mm-hmm. Je n'aime pas la complicité. Je lui ai même dit, tu m'as appelé dans ton film, le jour que tu vois que je ne fais pas ton affaire, libère-moi, je vais rentrer chez moi. Ouais. Si vous voulez, allez-y lui demander, elle m'a dit, elle m'a dit ça. Et je dis ça devant les gens. Je n'aime pas les polémiques. Souvent les gens pensent que je suis béni, oui, oui. Je n'ai jamais été béni, oui, oui. Avant les délits. Okay. Mais tous ceux qui sont autour de Delta expliquent qu'il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas de contrat. Toi, tu avais un contrat avec Delta dans ma famille. Pas de, nous tous, mais on avait le contrat avec Delta. Mm-hmm. On n'avait pas de contrat avec Delta. Vous êtes au noir, alors. Le travail de ma famille. Moi, je sais, au noir, là, c'est quoi? Ça veut dire que tu travailles non déclaré. Non déclaré. Je ne connais pas. C'est ça, on dit au noir. Ah, d'accord. Donc, ceux qui sont d'Europe, ils savent de quoi on parle. Ouais. Je sais pas, quand moi je fais mon spectacle, je rentre. Mm-hmm. Je n'ai pas encore demandé comment ça fonctionne là-bas. Ah ouais? Vous êtes déjà parti là-bas? Où ça? Non, expliquez-nous. En Europe, là. En Europe, au noir, là, oui. Au noir, on a passé un peu de temps là-bas quand même. Tu as fait au noir. Un peu quand même. Donc, c'est-à-dire, dans ma famille, quand il n'y a pas de contrat, Delta, puis se permet de vous donner que ce soit 15 000, 20 000. Tant mieux, voilà, il n'y a pas de réclamation. C'est au noir. Donc, ce qu'on va faire. D'accord. Vous allez appeler Delta. Mm-hmm. Vous allez lui demander. Mm-hmm. Quand tu commençais ma famille, tu avais quoi dans la tête? Elle va vous expliquer. Mais, moi, je ne peux pas rentrer dans la tête de Delta ici pour m'expliquer. Je ne veux pas en parler. Mais si vous... Ah, je ne veux pas en parler. C'est qu'il y a quelque chose en bas, vous cachez. Je m'en fous de ça. Vous aimez trop mettre les gens par. Quand vous invitez les gens sur votre plateau ici, vous mettez ici, vous mettez ici, vous tournez comme ça. C'est vous qui poussez les pions. On ne sait pas où on va. Je ne sais pas jouer dans. Dame d'aujourd'hui, là, je ne joue pas. Moi, je pense que dans cette histoire de ma famille, là. Oui, oui. Il y a quelque chose c'est qui se passe. C'est à cause de ma famille, on est venu. Ou bien c'est à cause de Basé Thérèse. Bon, Basé Thérèse est dans ma famille. Donc, Guy Thérèse. On n'est pas là pour Basé Thérèse. Là, pour Guy Thérèse. Bon, donc, parlons de ma famille. C'est Basé. Parlons de Guy Thérèse. Vous voulez quoi? Vous voulez bon, Guy Thérèse, dis-moi. Il y a une différence entre le théâtre et la comédie? Toujours, on me demande ça. Ah. Ce qui est sûr, moi j'ai fait du théâtre, après on dit on n'a qu'à faire film, c'est tout. Donc du théâtre à la comédie, il n'y a pas de différence. Y a je pense qu'il doit avoir juste un pain. Bon, je n'ai pas fait école de théâtre. mais pour quelqu'un qui a appris sur l'état, pour une autodidacte, franchement, tu as un talent vraiment éblouissant. Mais est-ce qu'il ne t'arrive pas par moment de te dire, bon, est-ce que je n'ai pas me former? Aller me former. Oui, dans le métier. Je me forme toujours. Wow. Quand tu travailles avec les autres, tu les observes, tu regardes comment ils font. Tu te formes toujours. Ouais. On n'a pas besoin de faire du bruit. Moi, je ne fais pas de bruit. Ouais. Quand je ne parle pas, ce n'est pas parce que je suis idiote ou bien je suis une bénévole, mais je suis une suiveuse. Moi, je ne suis pas suiveuse. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une suiveuse. Non, mais quand je viens là, moi, je suis beaucoup observatrice. Je regarde. Non, mais on ne t'a jamais vu dans le lot des gens qui se plaignent. Donc, c'est pour ça que les gens se posent des questions. Ah, mais non, quand se posent des questions, mais chacun choisit sa vie. Mm-hmm. Les questions que les gens posent, les questions que les gens posent, ils disent que Guy Thérèse est très proche de Delta, que Delta lui donne de l'argent discrètement. Donc, Jean, ils sont proches. Oui, c'est ce que les gens disent. Mais Delta est vivante, elle est là. Si elle me donne de l'argent discrètement, elle va vous. Parce que tu ne t'es jamais plaint. Les gens disent que tu es proche de Delta, tu donnes de l'argent. Elle a les piqûres. Voilà, ouais. Quelle piqûre. Oui, c'est ça. Quelle piqûre. Mais il paraît que pendant qu'on donnait 25 000 francs aux autres acteurs pendant les épisodes, toi, on te donnait un peu plus. Je recevais la même somme. Les mêmes 25 000 là. Les mêmes 25 000. D'ailleurs, moi, j'ai commencé par 20 000. Waouh! Mmh. C'est la même chose. Mmh. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire du bruit tout le temps? Non, non. C'est pas bien. Moi, vous, si vous avez remarqué, dans ce pays, mille fois j'étais la une des journaux, on dit tout, je ne réponds jamais. Bataille médiatique, là, je ne peux pas faire, je n'ai pas la force. Oh, ouais. Moi, je ne tape pas à pleurer. Mmh. Non, je ne rentre pas dans tout ce qui est polémique, tout ce qui est compliqué, tout ce qui. Quand c'est tout ce qui est difficile là, si tu veux pas. Je quitte. C'est pas que je suis paresseuse, mais j'aime pas tout ça. Il y a beaucoup de bruit là. Je n'aime pas le bruit. Mais en fait, tout à l'heure, je vous ai dit. Vous m'emmerdez même. D'accord. Tu as dit que tu n'es pas satisfait de ta situation financière. Delta a abusé de vous financièrement. Delta n'a pas abusé de moi.
J'allais signer contrat. On n'a pas signé contrat. Non, il n'y a pas d'argent. Mais à partir d'où on a abusé de toi? Que c'est quand il y a un contrat qui a... À partir de quoi on a abusé de toi? Il n'y a pas papier. Il n'y a pas témoin. Mais un contrat moral, c'est fort. Quand on dit que ça va marcher, après on va vous donner telle somme moralement. Mon frère, je suis au courant de rien. Je suis au courant de rien. Tu ne vas même pas m'avoir, même pour dire, toi, tu vas me livrer à la vindicte populaire. Bon, on peut savoir au moins une chose. Parce qu'à un moment donné aussi, il y a quelque chose qui a intrigué un peu les gens. On a constaté que dans ma famille, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès en cascade. À un moment donné, de beaucoup d'acteurs. Est-ce que vous, ça vous a pas fait un peu peur? Moi, j'ai été malade pendant 2 ans. Ouais, un jour, on se rappelle. Quelqu'un venait me voir à l'hôpital. Mm-hmm. Quand un gars venait me demander, tu vas manger quoi? J'ai dit, c'est que je n'ai pas l'habitude de payer. Là. C'est ça, quand tu vas au supermarché, tu payes. Elle dit quoi? J'ai dit, il y a jambon, il y a fromage. Tu connais le fromage, il y a un plat là, non? C'est ça que je veux. Ouais. Mais je suis là. Bon, c'est parce que mon heure n'est pas arrivée. Mm-hmm. Moi, j'ai été malade pendant 2 ans. On a annoncé ma mort sur tous les journaux dans ce pays. Oui, j'étais toujours à la une. Mes enfants m'appellent, ils pleurent. Aujourd'hui, en 2017, moi, j'ai abattu mon unique garçon sur lequel je compte. Et puis, je suis basé Thérèse. Je compte sur lequel je compte, elle était abattue. J'ai parlé avec mon enfant à 21h, à 21h51. Votre enfant qui était corps habillé. Il était corps habillé. Il était au forêt. Oui, au forêt. Il m'a dit, maman, j'arrive. L'enfant ne m'a plus jamais répondu. On a appelé tout le temps. Pourquoi moi, je ne suis pas mort? Tu me poses chaque nuit, je m'assois. Quand je vous quitte, je m'assois, je pleure, je pose la question. Pourquoi moi, je ne suis pas mort pour que mon enfant reste? Pendant cette période-là, l'État de Côte d'Ivoire vous a fait face? L'État de Côte d'Ivoire ne m'a pas fait face. L'État de Côte d'Ivoire ne m'a pas fait face. Il est mort dans un forêt. Ils m'ont rien donné. Personne ne s'occupe de ses enfants. Je suis devenu une parent d'élève dans ces 2 jours-là. Je tire le diable par la queue. Ne remuez rien. Laissez-moi où je suis. Il m'a dit, je pleure trop. Mm-hmm. Parce que un prêtre me dit que ton enfant dit arrête de pleurer. Donc je ne veux plus pleurer. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. Je regrette pourquoi moi je vis et puis moi mon enfant est mort. Voilà la question que je me pose. Je n'ai qu'à laisser ça là pour aller rentrer dans la vie des gens. Mm-mm. Pour faire quoi? J'ai fait quoi à la vie de quelqu'un? J'ai fait quoi à la vie de quelqu'un? C'est un peu fort, hein? Avec tout ce que tu fais pour ce pays, avec le décès de votre fils. L'État de Côte d'Ivoire est vivant, l'État de Côte d'Ivoire est là. Il ne m'a pas donné 100 francs. Aujourd'hui, je me bats, je lutte seul pour mettre 6 petits enfants à l'école. 6. Ouais, sans impacto. Ouais. Non, je pense que je ne sais pas si c'est le Burida ou si c'est l'État de Côte d'Ivoire qui oublie ses enfants. Franchement, il va falloir songer à ça. Il faut pas oublier les enfants. Parce qu'on a reçu le grand frère Billy qui dit ce qui nous a fait savoir qu'il a été honoré, mais il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. Lui, il a besoin d'argent, effectivement. Ouais. Mais ce n'est pas le seul cas. Gay Thérèse est là. Elle n'a jamais été valorisée pour tout ce qu'elle fait pour la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est les gens de Coupé Décalé qui sont valorisés. Non, bon, nous, vraiment. Enfin, comme moi, je ne suis plus dans Coupé Décalé, on va leur demander quand ils vont venir en interview ici. D'accord. Voilà. Mais parlons des morts tout à l'heure. Tu as parlé des morts concernant ma famille, tout. À un moment, Delta fut accusé, responsable des morts. Elle a été accusée. Oui. Je suis allé chez elle. J'ai pris ma caméra, je suis allé chez elle, je lui ai posé des questions. Et toutes les réponses qu'elle a données, ça a été balancé dans le monde entier. Ouais, on se souvient. Et j'ai demandé aux gens, quand on est dans un village, que quelqu'un meurt, c'est le chef qui l'a tué. Je ne l'ai pas défendu. Je posais seulement la question à nous savoir. Mais moi, j'ai été malade. Moi, j'ai été malade. Quand vous allez sur, je ne vais pas dire le nom de la télé, vous tapez Basé Thérèse, SOS Basé Thérèse. Vous allez voir une femme méconnaissable qui s'est coupé les cheveux, qui était. C'est-à-dire que quand tu fais comme ça, tu dis si je fais ça, je fais ça, elle va mourir. C'est moi, c'est pas quelqu'un. Allez-y fouiller, regardez, c'est moi. Mais je suis là. Non, dans ma famille, il n'y a pas d'assurance vie, il n'y a pas d'assurance assistante. Allez-y demander à Delta. Oui, mais c'est elle qui a créé sa chose. Mm-hmm. C'est elle qui a créé ma famille. Mm-hmm. C'est elle qui a dit, venez, on va travailler. Mm-hmm. Allez-y lui demander comment tu fonctionnes avec les acteurs. Moi, je ne sais pas. Tu es une actrice, tu dois savoir un peu. Non. Allez-y lui demander. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Elle seule peut expliquer. Moi, je sais rien. Tu as joué un rôle dans la réconciliation de Delta et... À moins à l'époque, paix à son âme.
Non. Aïe, pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Mais, non, j'ai posé une question. Tu poses une question, je te pose une question. Il faut me répondre. Pour les réconcilier, parler. Non, 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 j'ai dit non. Maintenant, je dis toi. Mm-hmm. Faut aller demander pardon à Delta. Genre, on passait par. Là où je suis en train de dormir chez moi, la gendarmerie m'appelle pour aller témoigner. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. C'est là-bas de passer chez qui, d'aller parler avec qui. Moi. Non. Quand on vous réveille tard dans la nuit, allez témoigner à la gendarmerie concernant le problème des 20 millions entre Delta et Amoué. Votre version, c'était quoi? Vous avez dit qu'il y a Amoué. Moi, ils m'ont demandé. En fait, ils m'ont demandé. Quand vous deviez partir au Congo, Delta vous a dit elle va vous payer combien? J'ai dit voilà ce qu'elle a dit. Elle avait dit combien? Je ne dirai pas. Mais le montant donné au Congo, c'était 350 millions, 700 millions. Non. On m'a dit, moi, ce qu'on va me donner. Quand je suis arrivé, j'ai fini mon boulot. Ils m'ont donné ce qu'ils doivent me donner. D'accord. Et c'est fini, moi je suis rentré. Avant, c'est plein qu'il y a eu, ils ont donné beaucoup plus. À ah, elle a, je sais pas. Je ne sais pas. Vous avez les journaux, non? Mais allez-y. Mais tu n'étais plein jamais. Je n'ai pas envie de mal parler. Allez-y, Rélie. Non, tu n'étais plein. Ah, des problèmes d'argent. Le jour que je vais faire mon film. Oui. Vous allez m'entendre. Tu vas tout expliquer. Non, vous allez m'entendre. Le jour que je vais créer mon film, je vous allais m'entendre. Mais pourquoi tu te plains pas aussi? De me plaindre pour dire quoi? Alors que nous, on te trouvait, nous qui sommes en dehors de la famille, on te trouvait tellement proche de Amoué. Et bizarrement, elle était malade, elle était en froid avec Delta. Tu n'as pas essayé de faire des réconciliations. C'est le film. Dans le film, nous sommes proches. Moi, je suis jusqu'à Yopougon. Amoué, elle est à Bobo. À Bobo. On s'appelle. Souvent. Deux fois, je vais lui rendre visite. Bon. C'est tout. Tu t'es adressé une fois à Didier Drogba. Tu lui as dit de s'approcher des Ivoiriens, mais de s'impliquer dans la vie des Ivoiriens. Du genre, il est avare ou bien il est distant. S'approcher de quelqu'un là, ou affaire d'avarice, dit. Bon, explique-nous là, qu'est-ce que toi tu voulais dire? Moi, j'aime Drogba. Je l'aime bien. Tu ne m'as pas répondu. J'ai vu. Nous tous on l'aime bien aussi. Je vais te répondre. J'aime bien Drogba. Je dis, oui. Drogba avant il était ailleurs. Il n'était pas ici. Ici, nous avons nos réalités. Bien sûr. Ici, là, nous avons nos réalités. D'accord. Donc comme tu es venu maintenant, faut, à cause de Drogba, combien d'enfants sont devenus des footballeurs aujourd'hui? D'accord. Combien de parents poussent leurs enfants à aller jouer ballon? Très bon exemple, oui. Combien? Non, je dis, bon, comme tu es venu maintenant, tu peux dans le quartier, tu veux envoyer tes gens, ils vont organiser des petits matchs de football de 10 ans, 15 ans, et puis bon, tu peux partager aussi des pagnes à leur moment, on dit, Drogba est passé dans notre quartier. Donc, faut t'approcher de nous, de la population. Donc, dans la proximité, c'est ça? Voilà, voilà. Maintenant, ce que j'ai dit. Oui, en quelque sorte, dans le fond, Drogba n'est pas gentil alors. Non, je ne le connais pas. Mais vu la dimension, son statut, si oui. Toi, une grande dame de ce pays, dit Drogba n'a qu'à s'approcher des Ivoiriens de la population. Non, c'est qu'il est distant, il y a les gestes qu'il doit faire qu'il ne le fait pas. Non, je n'ai pas dit que Drogba est méchant. Je n'ai jamais dit Drogba est méchant. Je dis Drogba n'a qu'à s'approcher des Ivoiriens. Mais quand moi je l'ai dit, Drogba est parti à Boaké. On a vu Drogba faire des photos avec des enfants autour de lui. C'est tout ce que je lui ai dit. Il a failli ton message alors. Il a entendu. Donc c'est qu'il a entendu le message. Il a entendu. Wano fafa non dade. Ede wao ne kam. Pourquoi? Ayo mo e droba e dou. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Bon, enfin. Ça va pas marcher. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération des comédiens de Côte d'Ivoire, même les comédiens web et tout ça? Écoutez, dans ce métier, chacun choisit sa route. Chacun choisit sa route. Eux, ils ont choisi l'internet. Nous, on a commencé sans ça. Sans ça, oui. Et puis, on est là. Nous, on a creusé avec nos doigts sans ongles. Aujourd'hui, eux sont venus avec l'internet.
ça marche pour eux. Mm-hmm. On dit Dieu merci. Mm-hmm. On dit Dieu merci. C'était des web humoristes. Aujourd'hui, ils organisent des spectacles. Oui. J'ai dit, mais c'est un grand pas, c'est bon. Donc, il y a de la progression. Oui, il y a de la progression. Mais c'est important. Mais il y a tant que tu n'es pas guindé, oui. Tant que tu ne dis pas que c'est toi, tant que tu ne dis pas qu'après toi, il n'y a personne, ça marche. Mais dans la nouvelle génération, il y en a qui sont guindés, selon toi. Bon, je ne sais pas. Bon, si, moi, il y en a qui se tapent plus la poitrine aussi. Il y en a qui se tapent la poitrine, il y en a qui sont guindés. Ah, voilà. Mais moi, je dis que... Mm-hmm. Mais dans tous les groupes, il y a des groupes comme ça, et il y en a un comme ça. Mm-hmm. Mais je dis que moi, j'ai appris mon métier dans la faim et la douleur. Ouais. Et donc, je ne fais pas de bruit. Ouais. C'est pour ça. Moi, à ça, quoi. Mais de toute façon, t'as laissé... Mais qu'est-ce que tu penses de Yves Hidero, par exemple? Je ne la connais pas, ah. Je ne peux pas parler d'elle, je ne sais pas qui c'est. Des fois, peut-être c'est un langage coupé décalé, j'ai pas bien compris. Tu as saisi. Faut dire que tu n'as pas aimé le son. Tu as rien compris. Tu as compris? Selon moi, je me suis dit que, bon, en fait, dans la comédie, la nouvelle génération, il n'y a pas des gars guindés, c'est des humoristes. Ils viennent, ils amusent la galerie, tout le monde rit. Mais dans le fond, c'est pas des gens guindés, comme elle a dit tout à l'heure. J'ai dit, toujours dans une corporation, d'accord. Des gens comme ça. Oui. Sinon, du début à la fin, tout le monde m'appelle maman. Maman, oui. La vieille, elle, j'adore. Oui. Ils m'ont jamais manqué de respect. D'accord. Si on t'a jamais manqué de respect, tu peux pas inventer ça. Mm-hmm. Pour que les gens aient les yeux sur toi. Mm-hmm. Moi, j'ai pas besoin de buzz. Mm-hmm. Moi, là, oui. Mon dormi me fait buzz. Oui. Mon assis muet pour moi me fait buzz. Mm-hmm. Moi, c'est la basaille. Je suis la voix des sans voix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On dit la basaille. J'ai dit, moi je suis la basaille. Ouais. Je suis la voix des sans voix. Je n'ai pas besoin de bruit. Tous ceux qui font le bruit, et puis après ils vont au garage. Tout près là. Depuis un moment, les artistes de Côte d'Ivoire se plaignent de Biruda. Même mon frère se plaint de Biruda. Tu n'es pas concerné? Je suis concerné. Tu lui as dit quoi? Je vais dire quoi? Il faut leur parler. Ils n'ont qu'à te donner. Une pauvre femme vieille comme ça. Je vais dire quoi? Ils n'ont qu'à faire. Le jour que ils vont voir parmi les G et à Gay, ils vont m'appeler. Je ne parle pas. Non, ça fait des années que Biruda de Côte d'Ivoire t'a pas appelé. Mm-hmm. Mais c'est pas grave. Donc, c'est bon. C'est bon. Ah, je pense qu'il faut mener ce combat. Alors, sinon, à part ça, Basitès, qu'est-ce que. Quand je disais tout à l'heure, on parlait de la nouvelle génération, il y a au moins un talent peut-être que tu préfères, il n'y a pas un que tu aimes bien parmi eux? Moi, je les aime tous. Je les aime parce que. Ce qu'ils font là, ils n'ont pas été formés. Hein. Mm-hmm. Moi, au moins, je me suis promené de tout partout. Ils n'ont pas été formés. Les Sarah Messa, les. Comment elle s'appelle là? Oh là. Cassandra. Les Enizuno. Comment elle s'appelle là? Priscilla Degameuse. Elles n'ont pas été formées. Priscilla, c'est une grande danseuse. Mm-hmm. Mais elles se sont levées un matin et dit, et si je fais ça? Elles ont osé, elles ont cru. Et puis ça a pris. Moi, je les félicite. Et puis, ce qui me plaît, vraiment, ceux que j'ai cités là sont beaucoup respectueuses. Vraiment, elles sont bien. Il y a eu un direct il n'y a pas longtemps. Oh. Tu t'apprenais aux artistes de Côte d'Ivoire. On a eu l'impression que tu t'orientais vers Assalfo. Je n'ai pas dit le nom d'Assalfo. Mm-hmm. Si je veux parler à Assalfo, là, je sais où je vais le trouver. Mais tu t'adressais à qui concrètement quand tu as fait ce direct? Tu je m'adressais à des artistes. Oui. S'il est dedans, c'est qu'il est dedans. D'accord. Je m'adresse à ceux qui, quand on dit, oui. Quand quelqu'un dit par exemple, toi, il faut qu'il appelle les artistes. Et puis quand il est devant maintenant, ça y est, il rentre et puis il ferme. C'est de lui que je parle. Les gens qui font ça en fait. C'est d'eux que je parle. Ouais. Hein? Mais ils sont beaucoup comme ça. Hein, ils sont nombreux. Quand eux, ils arrivent là, là on doit plus... ouais. Quelqu'un ne doit plus venir manger là. Ouais. Mais l'argent là, c'est pas pour toi. C'est pas, pour c'est pas dans ta poche, ça quitte. Ah! Waouh! Si tu m'appelles pour me dire viens travailler, je viens, je fais ton travail, je prends ma route, je prends l'argent là, c'est pour payer ma maison, payer à manger. Tu as déjà rencontré le président Ouattara? Non, je ne l'ai jamais vu. Et le président Laurent Gbagbo? Bon. Lui, c'est pendant la campagne de 2000 que je l'ai vu. Mm-hmm. Après, je n'ai plus vu. Même quand il est arrivé là? Non, je n'ai pas vu. Ça fait 3 semaines que je suis malade. En ce moment, ça ne va pas chez moi, je suis malade. Mais quand vous m'avez appelé, vous n'êtes pas qu'un matin dit oui, on l'a programmé,
Elle croit qu'elle est arrivée, non, on l'a attendue, elle n'est pas quittée là-bas, vous êtes même chose. D'après ma maman, vous êtes même pareil. Non, pas du tout. Oh, vous êtes même pareil. Mais qu'est-ce que tu penses de la réconciliation en marche en Côte d'Ivoire? Tu as un message pour la réconciliation? Vraiment, il n'y a rien à dire. S'il y a quelque chose à dire, ça concerne ton pays, s'il n'y a, si y a pas la paix. Moi, Guéry, j'ai parlé à Farafa ici, là, ça a apporté quoi? Ça peut apporter quelque chose, tu as une voix qui porte, parce que tu as la voix des 100 voix. Donc, une voix des 100 voix est une voix qui porte. Il ne faut pas te négliger. Guéry, tu es une personne publique dans ce pays, bien bientôt, on te valoriser. Voilà. Tu auras des prix bientôt. Voilà, donc, il faut apporter ta voix. Ouais. Sinon, moi, vraiment, je veux qu'on se réconcilie. Voilà. Que moi, je puisse, par exemple, aller. Vaquer à tes occupations, faites aller au nord sans m'inquiéter, que quelqu'un puisse aller à l'ouest sans s'inquiéter, et qu'on puisse jouer partout comme avant, qu'on puisse voyager. Avant, on voyage. Avant, nous, on attend, c'est à minuit, on quitte Abidjan pour aller à Mans. Bon, je veux que ça redevienne comme ça. Vraiment, je veux que ça redevienne. Ça nous manque. Sans joie, nous, on va rester où? Ça. C'est pas au cimetière, on va aller prester. Là-bas, tout le monde dort. Ouais. Les gens, ils sont couchés là-bas. Ils dorment. Tu peux pas aller faire spectacle là-bas. Non, c'est que si quelqu'un est content, il fait petit baptême, il fait petit mariage, il fait petit ci, il fait petit ça. Là, nous, on va, on égaye les gens, on nous paye, on rentre chez nous. Puisque c'est de ça qu'on vit. Ouais. Tu nous as fait savoir que tu n'es pas satisfaite de ta situation financière. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui du gouvernement de Côte d'Ivoire? Bon, ce que j'attends aujourd'hui du gouvernement de Côte d'Ivoire, je dis que quand même, certaines personnes qui ont fait là, d'un moment à un autre, on peut quand même leur octroyer un salaire. Mais s'il faut attendre, avoir 60 ans, pour, 60 ans de métier, vous avez, l'artiste il vieillit vite. Parce qu'il pense beaucoup. Bien sûr. Comment faire rire les gens? Comment faire? Ou alors, il ne faut pas attendre qu'il meure quand même pour venir faire les voilà. La mort aussi. Il n'est pas content, on attend la mort. Ouais. Moi, j'ai traversé une période difficile dans ma vie. J'ai vu beaucoup de vilaines choses. Aujourd'hui, si le gouvernement peut dire, bon, on va prendre ceux qui, quand même, de 90, 87. De 87. De 87 à 2021, on peut dire que ça fait un bout de temps quand même. Quand même ouais. Pour commencer quand même à nous donner un peu, ouais. Chaque fin du mois, si tu es sûr. Comme on ne t'a pas donné maison, qui va te donner maison? Tu loues maison. Si tu es sûr au moins que le peu que le gouvernement te donne, tu peux payer ta maison et ton sac de riz. Là, tu es un peu libre dans la tête. Tu es malade, tu es artiste. Tu n'as pas d'argent. Tu es un artiste malade. Tu n'as pas d'argent. Tu es malade. Tu n'as pas à manger. Tu es malade. Tu ne peux pas payer. Ton ordonnance, tu es malade. Ça fait beaucoup de maladies sur toi. Beaucoup. Et ça va t'emporter. Ça t'emporte, oui. Ça t'emporte. Oui. Parce que quand j'ai eu la chance, oui. Quand j'ai eu la chance, il y a un monsieur à l'époque, Jérôme Dewey, vit aux États-Unis, qui a une télévision, qui m'a balancé dans, sur le net. Ils sont venus me faire une interview, me balancer. Le monde entier s'est levé comme une seule personne, m'ont soutenu. Quand j'ai perdu mon fils, le monde entier s'est levé encore comme une seule personne, ils m'ont soutenu. Ça m'a étonné et puis j'ai rigolé. J'ai dit, ah donc, le monde entier me palabre parce que le personnel de base fait trop de palabres. Et puis j'ai rigolé. Tu vois, ils m'ont vu que à la télévision. Donc si le gouvernement peut comprendre un peu pour dire, bon, ceux qui de telle année oui. sont en train de faire ça, on peut leur donner au moins un salaire. Oui. Là, c'est bon. Oui. Parce qu'il ne faut pas laisser l'artiste sombrer seul dans les voilà. difficultés, dans le stress. C'est ça. Ah ouais. Faudrait que le gouvernement y songe. Et tu n'es même pas la seule. Il y en a d'autres comme ça qui sont dans l'ombre, qui ont besoin oui. du soutien du gouvernement. Oui. Voilà, oui. franchement. Oui. Ok, Défalé. Oui. D'accord. Donc, merci. Mais vous avez besoin du soutien du gouvernement, peut-être 7. On a toujours besoin du soutien de son prochain. Peu importe. Le gouvernement est important dans la vie dans de l'artiste. De l'artiste ivoirien. Aujourd'hui, dans les autres pays, quand on parle de ci, de ça, c'est quoi? C'est le gouvernement qui est derrière soutien, eux. Mais quand tu parles, on dit toi tu as fait quoi, puis le gouvernement va faire quoi? Moi, gay, je suis artiste là. Ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir un garba demain pour manger. Ouais. De faire quoi? C'est clair. De faire quoi? Ouais. Je ne peux rien faire. C'est le gouvernement qui doit nous valoriser. Ouais. Ils doivent nous valoriser. Donc voilà, moi je t'intéresse vraiment, c'est fait un plaisir de te retrouver dans le FAFA parce qu'on t'a senti vraiment d'un FAFA. On t'a posé des questions FAFA, tu en as eu la réponse FAFA. Alors Anaconda,
qu'est-ce qu'on fait? On va tirer le mot de l'affaire. Le mot de l'affaire, mais c'est pour nous donner ses actualités. Hein, oui, justement. Rapidement. Parce qu'il faut voir l'actualité des bases terrestres. En ce moment, les nouveaux projets, il y a des projets en cours? J'ai des projets en cours, mais comme je n'ai pas de moyens, bon. Mais est-ce que tu suis déjà des projets existants dans lesquels qui commencent? Bon, j'ai ma page YouTube. Voilà, sur laquelle tu fais tes trucs web et tout. Voilà, je mets mes gags et tout. Puis voilà, quoi. Tu étais proche de l'autre aussi à l'époque, oui, des faits. Oui, c'est mon patron. On pensait même que tu sortais avec lui. Non. Ah, ok. Nous, sinon, les gars, par exemple, c'était ton gars. Pardon, ne faites pas celui qui même va me laisser. Parce qu'à mon âge, là, je n'ai pas envie de dormir avec des oreillers. Mm-hmm. Parce que quand tu es toute seule dans ton lit, tu roules, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu prends oreiller, tu fais comme ça. Tu fais comme ça, c'est compliqué. Laissez-moi tranquille dans mon petit coin où je suis tranquille, là, ça me va. C'est ça. Okay. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce Fafa avec notre légende, Basé Thérèse. Guéhi Thérèse. Guéhi Thérèse, bon, Basé Thérèse, ça, c'est pour ma famille. Guéhi Thérèse à l'état civil. Alors, Basé, Hank Basé et Guéhi Thérèse, vous avez vu le personnage. C'est deux personnes distancées. On peut pas. En fait, même nous, on ne peut pas servir. Là, le Fafa, on ne sait pas si c'est Guéhi Thérèse qui parlait, mais tu sais, des moments où c'était Basé Thérèse qui parlait. Donc, voilà. Associez les deux, vous allez trouver une grande actrice, une grande cinéaste, une grande humoriste. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Alors, c'était Serge Dufalé, la légende vivante. Sans oublier mon type Anaconda. Question tonitruante. Profite pour dire bonjour à Kenzo Kasmani. Voilà. Et merci pour tout, patron. Oui. Ah, voilà. Bon, il a dit son petit bonjour à Kenzo Kasmani. Merci à M. Kamara Mori, au niveau de la mairie de Trècheville. M. l'agent Romain, merci à tous. Alors, on était dans le Fafa, un Fafa tonitruant avec Basé Thérèse. Elle a tout dit. Donc, on se donne rendez-vous au prochain numéro. Surtout, restez couverts. N'oubliez pas de nous suivre sur les pages Ivoire FM, Ivoire TV, Musique. Cliquez sur le web, sur les pages Facebook, likez. On reste ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, sortez toujours couverts. Big up. D'accord.